Là, nous sommes à l'épée moine, hein. Comme vous constatez, c'est le site qui a été choisi en son temps pour poser la première pierre. Malgré des difficultés que nous avons connues, ce type d'approvisionnement, les matériaux devaient provenir de Kinshasa avec des routes précaires, nous sommes en train de chuter. Là, nous avons fini tous les travaux en termes de peinture et puis nous sommes en train de monter les bancs. Parce que tous les bancs sont là en place de cachet, on est en train de les monter. D'ici 3 jours, ça sera prêt. Et puis, on espère que la semaine prochaine, que le DCPO passe pour la réception provisoire et autoriser les enfants à occuper leur salle de classe. Oui, c'est vrai, nous avons promis. Le souhait était que les enfants commencent à être en cette nouvelle année scolaire dans des locaux, mais ça n'a pas pu parce que nous avons des aléas, le manque de certains matériaux tels que la peinture. Comme vous le voyez, la peinture, c'est la peinture acrylique qui a été recommandée, c'est une peinture un peu spéciale, qui ne peut provenir que de Kinshasa. Alors avec les avions qui ont posé problème, nous avons dû utiliser ces lycées pour les transporter avec des coûts qu'il y a eu. On a connu un peu de retard, mais pour le moment, nous avons toute la peinture et tous les sites. Non, j'ai dit que tous les bancs sont là, seulement que nous sommes en train de les monter. Nous montons 2 jours, donc une salle de classe, par jour, en termes de bancs. Parce que c'est en pièces détachées. On les ponce, on les monte et puis c'est tout. Là, vous voyez qu'un bâtiment s'est fini. Demain, nous allons attaquer l'autre bâtiment. Dans 2 jours, on finit. Donc, il n'y a pas de carence. Tous les bancs sont là. Voilà. Oui, tout à fait. Pour les autres chantiers, nous travaillons de manière à ce que les écoles terminent rapidement. Nous avons en Gandanjika 32 écoles qui sont en terminale aussi. Mais les bancs sont arrivés en pièces détachées. Vous allez les voir quand vous allez passer. On va commencer à les monter demain. Il y a le site le plus lointain, c'est une patte qui est difficile d'accessibilité. Donc il y a les routes qui sont abîmées avec la pluie qui a commencé. Mais ce site aussi va terminer. Donc nous travaillons pour que la semaine prochaine, que nous soyons prêts à livrer encore 2 écoles. Et l'autre semaine, 2 écoles. Les 6 vont être livrées au mois de septembre. Les centres de santé, Yandia Diaké, vous avez vu, on est en train de faire des petits travaux de retouche. Là aussi, c'est fini. On repasse avec des petites corrections, ainsi de suite, parce que ça ne manque pas toujours avant de libérer. Donc, nous sommes en phase terminale, hein, comme un avion. On espère qu'il n'y aura pas crash, on va atterrir en douceur. D'abord, sur le plan politique, nous ne sommes pas politiques, nous sommes techniques. Mais techniquement, nous appuyons le chef de l'État. Ça, c'est le programme du chef de l'État, à qui nous rendons hommage maintenant, de cette occasion. Nous n'avons pas de tension avec les autorités de la place. Il y a les chefs de cuisine, les chefs de groupement, l'administrateur du territoire. Nous l'avons vu de temps en temps pour les saluer. Sur le plan politique, nous ne sommes pas là. Hein. Nous voyons, il y a l'appui de son excellence, Dr. Bounon, chaque fois qu'il passe, il nous encourage, tout ça là-bas. Il nous pousse, hein, il nous conseille pour qu'on puisse terminer dans ce coin. Voilà. La population, d'abord, nous allons demander à la population de garder ces 10 jours que Fatih Béton leur a donné. En tout cas, c'est la première fois. Il faut passer la nuit pour voir. C'est bien éclairé, plus que Kinshasa. Moi-même, quand je suis ici, je me vois à Kinshasa. Je vais demander à la population de garder ces 10 jours. Nous organisons d'ailleurs des séances de formation à un groupe de gens pour une bonne pérennisation de l'action. Donc il faudra que la durabilité soit garantie avec ce que nous allons donner à la population. Et la population remercie sans vous mentir, partout où nous passons. Dans Diadia, quand vous passez la nuit, je remarque qu'ils disent que c'est l'Europe. C'est bien éclairé, c'est très beau. Et ils sont en train de remercier le président de la République et ils estiment que dans les jours à venir, on aura plusieurs actions pareilles dans tous les villages. Donc moi, je vais les conseiller qu'ils puissent bien garder ces 10 jours. C'est ce que nous faisons tous les jours. Hein. Nous essayons de parler en langue Kiluba. On apprend, on essaie un peu de parler. Il y a des enfants très contents. On a de très bonnes relations avec la population. Surtout les mamans qui travaillent beaucoup, vraiment, elles sont très contentes.